supplémentaire. Je pense pas me faire. Oh, un groupe de nomades. Bon, je pense qu'ils m'ont vu en plus. Bonjour ma gang de pas fin, c'est DoomQC89, on est de retour dans Subsistance pour notre épisode numéro 9 de notre Let's Play. Depuis le dernier épisode, j'ai fait beaucoup de travaux à la maison, ben pas à la maison, mais je me suis arrangé pour que tout soit prêt pour mes prochaines étapes. J'ai ramassé beaucoup de loot, regarde, c'est une caisse qui niaise. On va aller chercher ça. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? On va commencer par faire notre workbench. Je suis en train de finir de remplir mes réserves d'énergie avec la génératrice pour pouvoir faire mon workbench. Aussi, j'ai trouvé des caisses verrouillées que j'ai pu trouver là-dedans quelques tendons. Je vais essayer de faire mon casque si possible. Ça va être le tissu rembourré qui va me limiter parce que j'ai pas nécessairement assez de coton. Je vais voir si j'en ai assez avec ce que j'ai en ce moment dans la jardinière. Je pense que je vais être tout juste. L'autre chose que je voudrais peut-être faire sinon c'est mes bottes. J'ai tout juste assez de tendons pour faire les deux. On va essayer le casque en premier, sinon les bottes. Là, j'étais quand même assez dû arrêter parce que j'ai plus d'énergie. Je vais arrêter la raffinerie. Parce que maintenant, depuis quelques mises à jour, la génératrice va s'arrêter automatiquement à partir du moment où ce que. Pouf, je suis plein. Et voilà. Simple comme ça. C'est merveilleux. Ça nous évite de gaspiller. Je peux les laisser marcher sans souci en quittant la maison. Puis, peu importe, c'est pas grave. Donc, notre établi. Piou! On va commencer avec ça aujourd'hui. Pour l'installer. J'ai des matériaux pour construire. Fait que je pourrais continuer le deuxième étage. Mais je pense que je vais peut-être attendre avant de faire ça. Pas ma priorité en tout cas aujourd'hui. On commence par installer notre établi. Installer notre établi. Il y a de la misère articulée aujourd'hui. On dirait bien. Hein, sur le bord du feu, c'est bon. C'est pas du feu. Merveilleux. Puis ça nous permet d'avoir tout plein de nouvelles recettes. Tout plein de. Fabriquer tout plein de nouveaux matériaux. Fait qu'on peut faire notre propre poudre à canon, nos douilles, des clous, la feuille d'alliage. Lingots de métal, panneaux en verre. Ça, je pense que je vais essayer d'en faire aujourd'hui. Parce que j'ai du verre de près, mais j'ai pas de panneaux de verre de près. Donc, si je veux avoir des fenêtres, etc., il va falloir que je commence à en fabriquer. Évidemment, les ustensiles de cuisine pour notre four, je n'embarquerai pas là-dedans tout de suite. Je vais attendre d'avoir le four avant de commencer à y penser. Les piles pour les flashlights, le fusil à canon double, le shotgun à double baril de la dernière mise à jour. Oh! Ah, ici 1700, ok. 1700 d'énergie, c'est pas pour tout de suite l'arc recourbé, mais le plus tôt je peux la changer, avoir la nouvelle arc. Tout ce qui est des flèches premium, flèches à grenade, point de grenade, des grenades, les molotovs, tous les explosifs, claymore, les charges explosives pour défoncer les portes. Puis le pirateur de la BCU. Et la lampe de poche. La lampe de poche. J'ai comme mélangé le mot lampe torche et lampe de poche ensemble. C'était de ma foi d'un sexy. Bon, ok. Donc là, je vais m'occuper du jardin. Mon coton, il est presque prêt. Ah, j'en ai là. Et je vais voir, est-ce que je suis capable de faire assez de... J'ai besoin, je vais prendre tout mon coton. Je pense que j'en ai juste assez. Wow, 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 petit moment de lag. Je vais planter les graines que j'ai pour éviter d'avoir à. Ça sert à rien de me faire des graines avec mes légumes. Je suis tout simplement d'utiliser les graines que j'ai déjà. Si j'ai une drôle de voix puis je parle du nez, c'est à cause de mes allergies.
C'est des petits. Presque un handicap. C'est 7, 8, plume. Oui, je vais avoir les tuer en bourrée. Ça me prend. Attendons. Puis 2. Je vais prendre le reste des tendons. J'ai de la corde. Du cordage, c'est-à-dire. Puis du tissu 1, 2, 3, 4, 5. On passe au travers d'un tissu pas mal, mais. Je peux déjà faire mes bottes. Puis on va faire notre casque. Alright, bon, on va pas mal tout pour faire ça. C'est pas pire. Ça va vraiment améliorer notre armure. Un, le casque va nous protéger des headshots qui font extrêmement mal. C'est arrivé combien de fois dans cette série-là là, qu'un chasseur avec un pistolet me tire une balle dans le dos et puis je suis mort. Ouf! Si mes souvenirs sont bons, et si ça a pas changé, les headshots font à peu près 4 ou 5 fois plus de dégâts qu'un tir normal. Puis avec le casque, ça réduit à une fois et demie ou deux. Donc, ça vaut encore la peine de tirer dans la tête si les chasseurs ont les casques. Mais, ils sont beaucoup plus protégés. Et nous d'ailleurs aussi. Puis pourquoi je fais cet équipement-là? C'est parce que évidemment, je vais essayer de les attaquer. Je vais aller voir ce qu'ils ont à m'offrir. Attends, on va équiper mes bottes. Fait qu'on n'est plus un va nu-pied. On se promène maintenant avec des belles bottes. Yes. Avec le casque, ça va être encore mieux. Quoi d'autre? Quelle prochaine... Qu'est-ce que je fais par la suite? Okay. J'ai fait le lit dans le dernier épisode. J'ai une génératrice. Évidemment, je peux avoir plus de plantations. Une génératrice, ça va m'en prendre une deuxième éventuellement. On peut augmenter stockage de masse, stockage d'énergie. Même chose. L'établi, réfrigérateur. Ça peut commencer à être une bonne idée, mais ce ne serait pas mon prochain choix. Je pense que j'irai avec le four avant ça. Ah, le recycleur. Le recycleur est un must. Foreuse, pas tant pressant. Les panneaux solaires, évidemment, le plus tôt j'en ai, le mieux c'est. J'aurais pu, au lieu de me faire un casque, me faire un panneau solaire. Ça m'est même pas passé par l'esprit. Ça m'est même pas passé par la tête pour faire un jeu de mots de casque, là. Mais, ouais. J'y ai pas pensé. Ça aurait été une bonne option aussi. Mais, le casque, si j'avais eu 6, j'avais 5 tendons. Avoir eu 6 tendons, j'aurais pu faire le casque et fuck les bottes et un panneau solaire. By the way, mes deux caisses verrouillées, je les ai trouvées ici, dans ce coin-ci, là. Une ici, puis une près ici, tout près de la maison. Donc, c'est pas parce qu'on est installé quelque part que les caisses verrouillées apparaissent pas proches. J'ai l'impression qu'on va être chanceux là-dessus encore cette saison. Dans la saison aussi, c'est arrivé souvent que les caisses verrouillées apparaissaient au pas de notre porte, ou presque. Disons qu'il était à distance de vue de la maison. Ah, c'est pas si pire, le temps. Ah, il y a peut-être ça. Ouais, la prochaine affaire qu'il faudrait que je fasse, c'est l'amélioration sur ma raffinerie. Si j'ai ce qu'il faut, là, si j'ai le matériel, faudrait que je vois. Parce que, sérieusement, ça me coûte cher à raffiner.
Puis c'est autant l'énergie puis la masse, c'est autant précieux que les ressources que j'ai besoin pour faire quoi que ce soit. Je suis limité. Puis c'est souvent ça qui nous ralentit. Tu sais, dans une journée, je pourrais fabriquer tout plein d'affaires, tout plein de stations, j'ai les ressources pour, mais j'ai pas l'énergie puis la masse. Puis oui, je pourrais genre faire des génératrices puis pomper de l'énergie puis du biocarburant à la tonne. Mais pour l'instant, j'aime mieux pas parce que je sais que plus tard, j'aurai pas le choix de faire ça. Donc, je la garde en réserve, j'en utilise un peu au besoin, parce que évidemment on n'a pas le choix, là, en haut de 500 pour l'instant. Tant que j'ai pas de panneau solaire, je pourrais pas avoir plus que le premier 500 d'énergie, puis le premier 100 de masse gratuit. Fait que si je veux avoir de quoi de plus plus coûteux, ce qui est beaucoup de choses dans... Pas mal tout ce que j'ai de besoin dans le futur sont rendus au-dessus du 500. Faut absolument que je produise de l'énergie d'une autre façon que la BCU. Bon. What do you want? J'ai pas vraiment besoin de te tuer, donc je te tuerai pas, espèce de petit loup à la con. So let me be. Donc j'ai plus de flèches. Ça aurait mal été, de toute façon j'aurais voulu le tuer. Bon ben je voulais ramasser le lièvre là, mais j'ai plus de flèches, on oublie ça. J'ai pas ce qu'il faut pour en fabriquer sur moi en ce moment. Je prendrais des clous. Je peux me faire des bâtons par exemple. Puis ben j'ai les plumes des poulets. Deux ou trois poulets dans mon inventaire. Ça, j'ai quand même utilisé beaucoup de tissu, là. Ça se ramasse pas vite, le tissu, puis c'est précieux, on a besoin. Caisse de construction quelque part, quelque chose comme ça, je pourrais ramasser des clous, ça serait bien. J'ai besoin de clous. Bon. J'ai l'impression qu'ils ont diminué depuis la dernière mise à jour avec les arbres qui shake. J'ai l'impression qu'ils ont diminué la portée à laquelle on peut frapper les arbres. C'est peut-être juste moi là, mais. C'est un feeling. J'ai de la bizarre, ça arrive, je tape dessus, puis je suis pas à portée. Parce que le cercle. Puis la zone dans laquelle on a le son est plus grande que celle à laquelle je ramasse le bois. Oh, ta gueule. Rouin, rouin. Fâche-toi, petit loup. J'ai besoin d'aller chercher de l'eau au lac. Je vais chercher de l'eau au lac. Hein, une caille sans fin. Enfin, il y a des journées comme ça, là, où tu trouves absolument rien. D'autres journées, c'est partout, partout. C'est vrai que t'es pas dans le bon coin, là. Ah, des clous, parfait, merveilleux, c'est ça que j'ai besoin. Chop, chop. Sorry, my friend. Little fella, you die. Grignoter un petit peu en même temps. Bon, je voulais juste la caisse, moi. J'en veux pas de toi. J'ai
J'ai pas de frigo encore, ça sert à rien de te tuer pour rien. Je dis qu'on n'a rien trouvé, on a trouvé, il y a du stock partout, mais c'était pas des caisses. Je vais peut-être en faire moins, j'ai tellement de cordes en ce moment. On va utiliser les fibres peut-être pour. Quand on a trop de fibres, c'est pas trop grave, on peut s'en servir comme carburant aussi. Là. Quand t'as besoin de construire pis t'as plus besoin de bois que de fibres. Faire les briques de carburant, c'est une bonne option. Ou juste pas brûler les fibres telles quelles, ça donne quand même un petit peu de carburant là. Là. Oui, une carotte. Une carotte. Des graines de carotte. J'aime les carottes. Je pense que dans le prochain épisode, on va essayer de s'arranger pour attaquer les chasseurs. On serait dû, non? C'est sûr qu'il doit avoir pas mal. J'ai vu un peu, là, ils ont pas mal à avoir fini le deuxième étage aussi. Là, fait que ça en vaut la peine. Ils ont de quoi aller chercher en intérieur. Fait qu'on va se faire des pioches supplémentaires. Je pense pas me faire. Oh! Un groupe de nomades. Bon, je pense qu'ils m'ont vu en plus. Supplémentaire pour ça en plus. Oups! Le premier c'est un coup. Oh ça, fuck son 4. Mon casque m'a aidé en tout cas. J'ai entendu le ding, c'est ma tête ça. Je vais avoir un petit Lénol. Est-ce qu'ils sont blessés entre eux? J'ai vu du sang voler, mais j'ai pas tiré. One shot. Ben oui, il y en a un qui a tiré pour une flèche au travers de l'autre. Bon, mais je serais prêt en mort si c'était pas de mon casque. Un pour la défense qu'il me donne en termes de pourcentage de réduction de dégâts. Mais avec les coups critiques, j'ai quand même mangé deux coups dans la tête, puis c'était pas du casque, j'aurais plus de face. Là. Là, ben j'ai encore des dents, fait que. Là, on va remonter nos points de vie. En même temps, on va faire cuire notre viande. Why not? Célébrer notre victoire. Puis, faire une coupe de. Une munition. Une seule balle. Pour notre fusil de chasse. Un arme merveilleux pour tuer les chasseurs, comme vous avez pu constater. Là. Une balle bien placée d'habitude. À moins qu'il y ait un casque. Allez, ils sont rendus 4 le groupe de nomades. Là, fait que. Bon, je fasse attention à ce bol. Je pense. Je n'avais vu 3. 3, c'est pas trop pire parce qu'une fois que t'en as tué un, le temps qu'il se rapproche. Ah, qu'est-ce que je fais là? Je rajoute du carburant dans leur feu. Je me pensais chez moi, faut craindre.
On ramenait notre butin à la maison. Une des affaires qui a fait pas mal que j'ai gagné le combat, c'est parce que c'est moi qui ai décidé de la potion en laquelle je m'installais. C'est ce qui est un peu dangereux avec les nomades, on a tendance à les sous-estimer, ils ont pas des grosses armes, ils ont juste des pistolets. Mais des fois ils sont nombreux, puis si tu réussis pas, justement tu te fais surprendre, t'es pas nécessairement dans un endroit idéal pour le combat, ils peuvent rapidement t'entourer puis te défoncer la gueule. Là, c'est moi qui a pris le contrôle de... du combat, fait que... ça m'a énormément avantagé. Juste le fait de s'installer à un endroit où on a du couvert, où je peux décider quand est-ce que j'engage le combat. C'est de la tactique. C'est la full tactique. Wow, qu'est-ce qui se passe? Lui, je pense qu'il revient de la pêche. Ouh, il y a un groupe de nomades qui s'est installé vraiment proche de chez nous. Cours, man. Cours après moi. Je rentre chez nous. J'ai tué 4 gars comme toi, genre sur leur turf. Ah, il revient de la pêche. Un gros saumon. Oh yeah! Ça, ça valait la peine. Je vais peut-être même faire attaquer deux fois dans la journée, par exemple, par des nomades, là, mais. Ça valait la peine d'aller. J'ai trop de viande, par exemple. C'est une autre histoire. Oh, wow, il était pas de seul, putain. On se patcher. On se campé là. Sont en mouvement. Je sais pas comment ça se passe entre un endroit et un autre. Les nomades, est-ce que ça. Quand ils changent l'emplacement de leur campement, est-ce qu'ils marchent pour se rendre jusqu'à l'autre endroit? Honnêtement, je sais pas. Peut-être maintenant, je sais qu'en ce moment, c'était plus un peu de la sorcellerie ou de la téléportation. Dépendamment comment tu vois ça. Là. Je serais dû pour boire de l'eau. Faire une brique de fuel pour la mettre dedans à la place du fait que j'ai des fibres en tonnes. On fait des briques. Ça, oh, j'ai trouvé des balles.
Ok. Great. Ben, ça a été une bonne journée pareil. Elle n'est pas terminée, mais. Je veux dire, je suis satisfait de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Faudrait que ça vire bas dans Cibol pour que je trouve que ma journée soit un désastre. Là. Mais en rangeant mes affaires ici, pas grand-chose qui peut m'arriver, qui peut me déranger. À part si ma maison explose. J'ai l'impression que je vais le jinxer. Ah oui, c'est ça que je vais faire en finale de la journée. L'amélioration pour l'efficacité énergétique. Ah, c'est les lingots que j'avais pas. C'est pour ça que je l'avais pas fait. Maintenant que j'ai mon workbench. Partir de la génératrice, parce que je vais en avoir de besoin. Ça me prend 700 puis 150. Plus le fait que ça me prend les lingots, ça me prend du cuivre et du fer. Deux lingots, si je me souviens bien. C'est 10 de fer pour 5 de cuivre. Il va falloir que je fasse fonctionner la raffinerie bien vite. Mais je voulais attendre de la faire fonctionner, au lieu de la faire fonctionner 24 sur 24 ou presque. Attendre le moment qu'elle soit. Plus éco-énergétique, économe d'énergie. Puis j'ai dit c'est des. Je pense c'est 10, 10, 10 morceaux de ferraille et 10 composantes. Me semble. 12 composantes. On va ramasser ça. Faut que je fabrique de la masse et tout là. Ça en prend 150. Et je pense que je vais faire quelque chose que je fais rarement là. On va mettre l'overdrive sur la génératrice. Si je veux que ça soit fait avant la fin de la journée, je pense que ça va être une bonne idée. Laisser aller. En ce temps-là, on va aller s'occuper un peu. Je partirai pas bien loin parce que je veux pas non plus surproduire de la masse pour rien parce que ça coûte cher à produire. Je pense à ça. Je peux toujours bien faire des murs au deuxième étage pendant ce temps-là. Ici, je pense que je vais mettre des murs pleins. Ici, ben, je vais laisser ça tel quel pour l'instant, mais éventuellement, je vais trouver une façon. Et éventuellement, sur le toit, ça va être mon jardin. Genre, je vais avoir un jardin sur le toit. Ça va être sacoche. Ça va être fou raide. Le reste, ben. Un mur avec une fenêtre. Des états des courbés avec fenêtre. Oh, j'ai plus de bandage sur moi là. C'est pas bon ça, j'en ai utilisé plusieurs hein. C'est pas grave, c'est à ça que ça sert. Mieux vaut utiliser mes bandages qu'à mourir, mais c'est bien, bien de penser à les remettre peut-être dans mon inventaire.
bien ça si je veux faire tant qu'à ça. Mettre un plancher à ça. Puis ce que je pense que je vais faire, là, il va y avoir une partie centrale qui est ceci, que je vais peut-être monter jusqu'à 3 étages. Puis je vais faire des tours de chaque côté. En tout cas, on va essayer de quoi. Ça va être spécial. Je veux construire de quoi de différent de ce que je fais d'habitude. Fait que... Ça, j'ai quand même possibilité de tirer sur l'ennemi avec un peu de protection. Ah, j'ai-tu mis un mur là? Effectivement, je veux pas avoir de mur là. Pas grave, je le redéplacerai. Je vais le prendre tout de suite. On va le déplacer pour le mettre en bas. Comme ça ici. Ah oui. Puis je vais voir mes plantes. Ben, j'irai par dehors au pire pour l'instant. Mais c'est sûr que ça restera pas comme ça. On va y arriver. Comme ça, pas pire. Il manque juste l'énergie. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va réduire le coût en énergie dans le fond de ma raffinerie de 25%, c'est-à-dire qu'au lieu de ça me coûte 0.05 par seconde par laser. Puis je dis par laser parce qu'éventuellement je vais pouvoir avoir différents espaces pour raffiner. Je vais pouvoir raffiner plusieurs morceaux à la fois. Pour l'instant, je vais en garder juste un, mais ça peut être utile d'en mettre un deuxième. Honnêtement, 3, je trouve que c'est trop pour rien, là. C'est rare, j'ai besoin de raffiner. À moins, comme j'expliquais, je pense, dans un couple d'épisodes, à moins d'avoir plusieurs foreuses, là, puis vraiment rendu loin dans la partie, genre... Dans la saison 4, j'avais pas encore besoin d'en avoir plus que 2. L'idéal, ce serait comme 1,5, genre. Un, c'est pas tout à fait assez, on n'arrive pas à raffiner aussi vite que je récupère les ressources. Mais deux, ça me permet de récupérer le retard. Donc, on peut en avoir deux puis s'en servir de. Pas nécessairement les deux tout le temps à la fois. J'ai mon saumon parce qu'il va sûrement pourrir, je vais sûrement en perdre pour le lendemain. Mais. 652. On va l'avoir. Je vais juste terminer l'épisode avec ça. Je pensais pas que ça allait être aussi long. Je pensais être bon pour avoir un peu d'avance. C'est pas pire. Au moins, on aura fait de quoi. On aura augmenté, monté les murs au deuxième. Good. On a ce qu'il nous faut. On va faire ça. Puis au lieu que ça me coûte 0.5, ça me coûte 0.37. C'est pas mal mieux. Étant donné que je produis 0.33, c'est encore. Ça me met encore dans le négatif, mais
de tellement peu que on peut dire que ça ne me presque au neutre. Avec un panneau solaire en plus, ça va être bon pour faire suffire, pour faire fonctionner ma raffinerie sans être dans le négatif. Alright, je vais terminer l'épisode là-dessus, mais ça fait quand même un bon bout qu'on roule. Puis il fait noir, il fait tout noir. On va allumer ma lumière. Il fait tout noir. Fait qu'on va terminer l'épisode là-dessus. C'était donc C89, j'espère que vous appréciez. On se voit dans le prochain. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao!